Bonjour et bienvenue. Willkommen zu der ersten französischen Ausgabe von My Expolingua. Nous apprenons le français. Wir sind Sebastian und Ekaterina von der Expolingua Berlin und wir organisieren die Reihe My Expolingua. Manche von euch kennen uns vielleicht schon, wo wir gemeinsam online Sprachen lernen, unterstützt und motiviert von großartigen Lehrerinnen, YouTubern, Polyglots, die wir zu unseren Events einladen. We are Sebastian and Ekaterina from Expolingua Berlin, and we organize online event series My Expolingua for different languages. And this is our first French edition. We invite the best language teachers, influencers, and polyglots, and we want to help you get in touch with them and to keep learning languages. Ja, als wir My Expolingua gestartet haben, war die Corona-Krise so ziemlich am Höhepunkt mit Lockdown, Ausgangssperren und dramatischen Szenen. Aber jetzt freuen wir uns, dass die ersten Lockerungen da sind. So we have started these online events at the most dramatic phase of Corona crisis and lockdown, and we are happy to see that the world has slowly started to recover from the shock, and we hope you and your closest people are well, and we hope to travel abroad very soon. Yeah, bonjour und salut also from my side. I'm really very happy to be here and to welcome you all and our speakers. Ich will eigentlich nur ganz kurz noch was Organisatorisches sagen. Zu sehen und zu hören, habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt, jetzt sind nur die Lehrerinnen und wir die Moderatoren. Aber natürlich seid ihr alle herzlich eingeladen und aufgerufen, per Chat mitzumachen. Und den Chat, den findet ihr unten auf dem Bildschirm und im Prinzip einfach draufklicken und öffnen, das ist schon alles. Es ist aber ganz wichtig, dass ihr im Chat die Option Senden an alle Diskussionsteilnehmer und Zuschauer auswählt. Weil das sollen ja alle sehen und nicht nur sozusagen wir, die Redner. Und eine letzte Anmerkung auch noch, die Veranstaltung wird aufgenommen. Darauf muss ich auch einmal hinweisen. Ja, same in English, only some short comments about the organization. You can only see, you have probably noticed it, you can only see and hear the speakers and us, the chairpersons. But of course you are most welcome to participate to our session per chat. And the chat button is at the bottom of the screen, and it's just, yeah, you have to simply to click on it. The only thing, please, it's important that you select the option send to all panelists and attendees so that everyone can see what you are writing. And a last thing, the session will be recorded. I have to mention this. Don't worry. The language mix now is over. From now on, it's only in French. Everything is in French, so you can forget the German and the English introduction. And I think, because I saw it also in the chat, there was a question about the level. The level of the French now will be about A2, B1. So A2, B1 wird das Level sein. Und kein, ab jetzt dann kein Deutsch, kein Englisch mehr. Jetzt ja, geht's los mit Französisch, wir sind startklar. And as our first speaker, I want to invite Malika from French in Normandy. She's a passionate teacher of French from one of the most beautiful regions in France. And I think we need our mobiles because Malika has prepared some special quiz for us. So Malika from Normandy und wie schon hier zu sehen, wir werden unsere Telefone brauchen. Malika, the stage is yours. Bonjour à tous, donc je suis Malika, manager de French in Normandie et avec moi, j'ai à mes côtés Christian, French in Normandie aussi. Bonjour à tous, bienvenue. Donc nous sommes très contents de pouvoir participer à, ce, à cette présentation et donc nous allons vous montrer quelques, enfin, nous allons faire ensemble un petit quiz. Allez, je vous montre tout ça. Allez, c'est parti. Donc, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, nous allons vous faire un petit quiz, donc en direct de French in Normandie à Rouen. Et nous allons tous jouer ensemble, en français, bien sûr. Donc, je vais vous demander de télécharger l'application Kahoot sur votre portable ou d'aller directement sur le site www.kahoot.it où vous allez pouvoir répondre et jouer en même temps que nous
avec 10 questions, 5 questions sur la langue française et 5 questions sur la culture française. Donc, je vous laisse un petit moment pour télécharger l'application ou aller sur le site. Et vous allez recevoir, vous allez entrer le code PIN 62 16 72. PIN 62 16 72. Alors, vous rentrez le PIN 62 16 72. On va attendre un petit peu que tout le monde se connecte. Ah ben, je vois que ça arrive. Super. Parce que bien sûr, vous allez jouer avec nous. Et si vous jouez bien et si vous avez toutes les réponses, vous aurez un joli cadeau. Ouais, ça monte, le nombre de joueurs augmente. 39 joueurs. 40. 41, ça monte. C'est un peu comme... C'est comme la bourse. Allez, 43 joueurs. Ben, c'est super. Allez, 44, on peut faire plus. On a combien de participants? On a 59 participants, donc on peut monter encore un petit peu. 45, on va attendre un petit peu. Et puis si on voit que ça stagne. 46. Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer. Alors, on commence. Vous voyez bien l'écran? J'espère que oui. Donc, on a 10 questions. La première, comment tu t'appelles? Je m'appelle François. Je s'appelle François. Il s'appelle François. Elle s'appelle François. Attention. Les questions seront du plus difficile au plus facile. Hein. Ou du plus facile au plus difficile. Ça dépend. Oui, 17 bonnes réponses. Bon, bah c'est super, ça commence bien. Donc, on va continuer. Donc, il fallait bien sûr répondre. Je m'appelle François. Hein, on a un joli verbe réfléchi. Donc, je s'appelle, ça marche pas. Et puis, François, c'est masculin, c'est vrai. Mais c'est pas il s'appelle, puisque la question, c'était comment vous appelez-vous. Donc, on passe à la deuxième question. Alors, on va voir ces mots pour l'instant qui est en tête. Mais bon, on n'a pas terminé, donc on continue. Allez, deuxième question. Je vais bien, merci. Quelle question correspond? Comment elle va? Comment vas-tu? Où allez-vous? Que veux-tu? Trente-deux réponses, 33, 34.
35, 36, attention, 7 secondes. J'espère que vous allez bien vous aussi. Bon, alors, 29 bonnes réponses, c'est super. Donc, 29 personnes ont bien répondu. La question était, comment vas-tu? En effet, comment allez-vous? Le verbe aller au présent. Donc, c'est la question de base hein, quand on se rencontre. Alors, comment vas-tu? On pourrait dire aussi, comment ça va? On continue avec la troisième question. Alors, on va voir si le classement a changé. C'est Sarah qui prend la tête du concours, de la compétition. Allez, c'est parti. Troisième question. Ce samedi, nous, en vacances. Alors, ce samedi, nous allerons ou nous partirons en vacances. Alors, donc, ce samedi, nous... Et donc, nous partirons en vacances. Donc, c'était la bonne réponse. Nous allerons, la réponse qui est en jaune, ça n'existe pas. C'est le verbe aller, mais au futur, non. Ça serait nous irons en vacances, si c'était au futur. Donc, on va continuer tranquillement. Allez, on va voir qui est en tête. Sarah se maintient toujours en première position. Donc, concentrez-vous, il reste quelques questions. C'est la quatrième. Alors, quand, enfant, j'allais tous les mercredis à la piscine. Donc, quand j'allais. Là, on augmente un petit peu la difficulté, on est dans les temps du passé. Ça va, Christian, tu arrives ? C'est pas trop difficile. Ça va. Alors, quand j'étais, oui, c'était la bonne réponse à la bonne question. Donc, quand j'étais enfant, donc c'est le temps de l'imparfait. C'est une habitude dans le passé puisque c'est le mercredi que la personne allait à la piscine. Donc, on va continuer. On va voir. Est-ce que Sarah va se maintenir en tête? Non, c'est Marie qui passe en tête de peloton. C'est bien parce que ça bouge. C'est cool. On continue. Cinquième question, un peu plus compliquée. Il faut qu'il soit sérieux. Il faut qu'il ait sérieux. Il faut qu'il ait sérieux ou il faut qu'il aille sérieux. Concentration. Il reste 4 secondes. Ça y est, c'est fini. Alors, il faut qu'il soit sérieux. Bon, c'est bien. Vous n'avez pas oublié qu'après, il faut que, on met quoi, Christian ? Le subjonctif. Très bien. Un point pour Christian. Donc, je sais que ce n'est pas le mode que préfèrent les étudiants. Ils ont toujours un petit peu de mal. Mais on n'oublie pas qu'après, il faut que, on va obligatoirement utiliser le subjonctif. On continue. Alors, maintenant, qui est en tête ? C'est Marie. Bravo, Marie. Allez Sarah. Allez Martha, allez Phil, allez Sarah, on a deux Sarah. Donc allez, on continue. Donc l'attention, très difficile. Tout le monde peut avoir des points sur cette question. Paris est la capitale de la France, vrai ou faux? Attention, il y a un piège peut-être. Hein. Là, j'espère qu'on va avoir un maximum de bonnes réponses. Attention. Le verdict. Et oui, c'est toujours Paris qui est la capitale de la France. On a eu un changement de gouvernement, mais on n'a pas eu de changement de capitale. Paris, c'est toujours
Paris, et c'est toujours la capitale de la France. On continue. Alors, tac, 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 ça augmente. Marie, toujours en tête. Bravo, bravo. On continue. La question numéro 7. Je vous rappelle qu'on a 10 questions. Quel fromage est typique de la Normandie? Le gruyère, la vache qui rit ou le camembert? Alors, ce n'est pas quel fromage vous préférez. Hein. Je ne sais pas si vous aimez les fromages français ou si vous connaissez aussi les fromages français. Alors, le camembert, oui, c'est en effet le fromage typique de la Normandie. Donc, si vous venez nous voir, on peut faire des dégustations puisqu'on n'est pas très loin justement du village de Camembert où on fabrique le camembert. Donc, c'est une très belle région pour visiter les fermes qui produisent du camembert. Et donc, on a un petit village qui s'appelle aussi camembert. Comme on a un village qui s'appelle Livarot, comme le fromage, on a une ville qui s'appelle Neuchâtel, une ville qui s'appelle Pont-l'Évêque. Donc, en général, le nom de la ville donne le nom au fromage. On continue. Alors, est-ce que Marie reste en tête? Oui, Marie reste en tête avec 8142 points. Bravo. Martha est derrière elle. Et on a perdu Sarah. Eh oui, où sont les deux Sarah? On avait deux Sarah, on n'en a plus. Allez, huitième question. Je suis une femme célèbre, morte à Rouen. Je suis... Alors, Édith Piaf, Jeanne d'Arc, Marie-Antoinette, Coco Chanel. Édith Piaf, c'est pour ça que j'ai mis mon beau t-shirt rose, parce qu'à Plenty-Normandie, on voit la vie en rose. Cinq secondes, quatre secondes, trois secondes, deux secondes, une seconde. Alors, est-ce que vous avez trouvé... Ah, c'est un petit peu mélangé, là. Donc, 10 personnes pensaient que c'était Édith Piaf, non? C'est Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc qui a été malheureusement pour elle brûlée sur la place du vieux marché à Rouen. Donc ça c'est vraiment une place très très pauvre, enfin, très typique et que nous emmenons nos étudiants lors de leur visite à Rouen lorsqu'on fait la visite du centre. Donc ils ont la possibilité de voir l'endroit exact où Jeanne d'Arc a été brûlée en 1431. Et il y a un très joli musée aussi qu'on appelle l'Historial Jeanne d'Arc que l'on peut visiter aussi et qui est vraiment très ludique et très intéressant à visiter. Alors, on va continuer. Alors, qui est arrivé en tête? C'est Jeanne, forcément. Jeanne arrive en tête de notre classement. Eva, deuxième position. Marcus, troisième. Marie, quatrième. Et cinquième, Martha B. Bon. Alors attention, il faut être rapide parce que ça va être maintenant la dernière question. Donc, l'avant-dernière, excusez-moi. On m'appelle la merveille de l'Occident. Je suis le château de Versailles, la tour Eiffel, le musée du Louvre, le Mont-Saint-Michel. Attention, qu'est-ce que ça peut être? Tous les quatre sont de très beaux monuments à visiter, hein. Mais c'est vrai qu'il y en a un qui se démarque encore plus, qui est très très visité quand on vient en France et qu'on a la possibilité d'y aller. Et c'est, voilà, le Mont Saint-Michel, la merveille de l'Occident. Donc pareil, le Mont Saint-Michel, c'est à peu près à 200 km de Rouen. Et donc c'est une destination que nos étudiants aiment beaucoup. Et donc, que nous emmenons souvent le week-end, par exemple, et quand il fait beau, comme par exemple aujourd'hui, c'est vraiment une très, très belle destination. Donc, elle porte vraiment très bien son nom de merveille de l'Occident. Testé et approuvé. Alors, le score, on est Eva qui est première, DMJ deuxième, Jeanne troisième et Marie quatrième. Bon, alors on continue. Et donc là, on arrive bien à la dernière question. Donc, soyez tous prêts.
L'hymne national français s'appelle Les Marseillais. Vive la France, le plus beau pays du monde, ou la Marseillaise. Attention, peut-être un petit piège. Concentration au maximum. Et après, si vous êtes gentil, Christian vous chantera l'hymne national. Donc attention. Tu veux pas chanter? Je crois qu'il pleure. Alors, oui, on a la Marseillaise. Et oui, en fait, c'était ça le petit piège. Les Marseillais ou la Marseillaise. Donc, c'était bien la Marseillaise, la dernière réponse. Les Marseillais, ce sont les personnes qui habitent Marseille. Donc, c'est pour ça que... Alors, on va regarder. Malika. Oui. Bravo, Jeanne. BNJ. Qui est le premier? Eva! Oh. Donc, Eva, VMJ et Jeanne, vous allez pouvoir remporter. Alors, je vais vous expliquer comment ce que vous avez gagné. Alors, ne quittez pas, je vais vous montrer. Malika, I just want to say the time is actually over and please come to a quick end because we have two other speakers waiting. Okay. Est-ce que Sébastien, je peux dire juste les prix? Yeah, you can say just one sentence, just as a kind of finish. Of oui. course, I mean, but alors, it's actually we have to stop now because you know. Okay. Désolé, it's always an issue. I know it's also difficult with the quiz setting up and but it was really fun. Eva, juste pour vous dire que vous avez gagné. Les frais d'inscription et les frais de classement qui sont offerts. Donc, vous allez pouvoir écrire un mail à Sébastien et Katerina et comme ça, on va vous donner toutes les informations pour le prix que vous avez gagné. Et puis, VMG, et j'ai oublié la troisième personne, mais on va vous envoyer aussi, si vous pouvez envoyer un mail à Sébastien et Katerina, et on va vous expliquer le prix que vous avez remporté. Donc, on vous dit bravo à tous, bravo à tous les participants, et on sera enchantés de vous avoir ici à Rouen, physiquement, si vous le pouvez, mais aussi en ligne, si vous ne pouvez pas venir. Donc, merci à tous pour votre participation. Au revoir. Au revoir. Thanks, Malika. It was really great. I love this kind of quizzes and games with Kahoot also, and I want to make it really short because we are really not really in time, so I want to bring into stage now the next speaker is Elisa from Montpellier. Exactly, you can see you already, and so our voyage through France is going to the south. Wir kommen jetzt im wunderschönen Montpellier an, und ich gebe das Wort an Elisa. Elisa, the stage is yours. Okay, thank you. Bonjour à tous. Donc, je suis Elisa de l'école LSF à Montpellier, et aujourd'hui, je vais vous parler du subjonctif. Donc, vous aviez une question dans le caout de Malika. De French in Normandie sur le subjonctif avec « il faut ». Donc, ma question, c'est déjà, est-ce que vous connaissez le subjonctif? Donc, vous pouvez répondre sur le chat. Est-ce que vous savez ce que c'est? Oui, non, qu'est-ce que... Oui, un petit peu, oui. Ah, mais vous êtes super fort. Bonjour de Pologne, pas vraiment, non. Ok, alors, il y a de tout. Donc, le subjonctif, ça fait peur. En général, vous êtes stressé à cause du subjonctif.
mais en fait, c'est hyper important. Donc, le subjonctif, on l'utilise tout le temps en français. Je sais que souvent, on vous dit que ce n'est pas nécessaire, mais ce n'est pas vrai. Donc, le subjonctif, il vous permet d'accéder à la philosophie et à la subjectivité. Donc, c'est un mode de pensée. Si vous restez à l'indicatif, c'est-à-dire le présent de l'indicatif, le passé composé, l'imparfait, le futur, vous restez dans la réalité, toujours. Mais avec le subjonctif, vous pouvez accéder à beaucoup d'autres choses. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous expliquer pourquoi c'est important et pourquoi il faut que vous l'appreniez. OK ? Donc, la première valeur du subjonctif, celle que vous connaissez tous, en général, c'est l'obligation avec « il faut que ». Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que « il faut que » vous connaissez ça ? Oui, il faut que, il faut que je fasse mes devoirs, il faut que j'aille voir ma maman. OK, ça vous parle. Alors, je vais partager mon écran et on va commencer une petite activité sur le subjonctif pour vous faire découvrir la ville de Montpellier. Et ensuite, je vais vous faire un cours un petit peu de grammaire, 5 minutes, pour que vraiment vous puissiez comprendre ce que c'est et que vous ayez envie d'apprendre le subjonctif. Donc, je partage mon écran. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon pour vous? Oui? Ah, OK. Alors, pour découvrir Montpellier, il faut déjà que vous alliez boire un coup place de la Comédie. Alors, c'est une place emblématique de Montpellier. Donc, il faut que vous alliez. Ça, c'est du subjonctif. Ensuite, il faut que vous vous promeniez dans les petites rues du centre-ville. Donc, vous vous promeniez, c'est du subjonctif. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez? Il faut que vous entriez à l'intérieur de la cathédrale Saint-Pierre. Très belle cathédrale à côté de la faculté de médecine. Ensuite, il faut que vous visitiez le jardin des plantes. C'est un des plus vieux jardins des plantes d'Europe. C'est même le premier. C'est vraiment beau, donc il faut que vous y alliez. Subjonctif. Ensuite, il faut que vous appreniez à jouer à la pétanque, évidemment. Hein, c'est le sport emblématique du sud de la France. Et c'est un sport, et ce n'est pas facile. Donc, vous pourriez l'apprendre si vous veniez dans le sud à Montpellier. Il faut évidemment que vous vous baigniez dans la mer Méditerranée. Il fait très chaud. Montpellier, c'est à côté de la mer et vous pouvez y aller à vélo. Vous pouvez aussi essayer le canoë. Il faut que vous essayiez le canoë sur la rivière. C'est une super activité. Alors, je vois qu'on me parle. Non, c'est bon. Il faut aussi que vous fassiez un barbecue avec votre famille d'accueil. Dans le sud, on fait beaucoup de barbecue, on vit dehors, on discute avec la famille, les étudiants en français. Donc, c'est une bonne activité. Et puis enfin, bien sûr, il faut que vous participiez à l'apéro du vendredi dans le jardin de l'école. OK ? Donc ça, c'est seulement quelques conseils pour découvrir Montpellier grâce au subjonctif. Donc maintenant, j'ai une question pour vous. Alors, est-ce que vous êtes tous de Berlin ? Est-ce que vous habitez tous à Berlin ? Dites-moi dans le chat, oui, non. Alors, si vous n'habitez pas à Berlin, vous habitez où ? Dites-moi où vous habitez, s'il vous plaît. Potsdam ? Des États-Unis, OK, super. Berlin, Munich ? OK, Cologne, Jakarta, mais c'est super, Francfort. Ah, mais vous êtes de partout, c'est génial. Alors, italienne qui habite à Berlin aussi, OK, super. Alors, je vais vous demander d'essayer de me faire une phrase. Moi, j'ai envie de connaître votre ville. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour connaître votre ville? Si vous ne connaissez pas le subjonctif, ce n'est pas grave. Vous pouvez me dire « il faut que tu fasses » ou « il faut », je vous l'écris, Il faut que tu fasses une promenade dans le parc le plus grand de Berlin. Il faut que tu ailles au restaurant. Essayez de faire une phrase avec le subjonctif. Si vous connaissez, c'est très bien. Si vous ne connaissez pas, je vous explique après. Alors, dites-moi, par exemple, si je veux aller à Cologne, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ou si je veux aller à Berlin, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que vous avez des idées?
Il faut que tu fasses manger un doner. Ok, donc il faut que je mange un doner. Ok, un doner kebab, j'imagine. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, ok, super. Il faut que je visite le Palmengarten à Francfort. Parfait. Il faut que j'aille au lac à Berlin. Impeccable. Il faut que tu ailles au Memorium Schanschausen. Ok. Il faut que tu fasses un tour dans le bus 100. Il faut que vous... Mais vous êtes super fort en subjonctif. Ok, c'est cool, merci. Il faut que je visite le musée romano-germanique. Ok, vous avez plein d'idées. Ah, il faut que tu boives une bière. Que je prenne le funiculaire en haut de la montagne ici à Albuquerque. Ouais, super. Ok, merci. Merci pour tous les exemples. Il faut que j'aille à Olympia Park. Ok, parfait. Alors, du coup, maintenant, le subjonctif, merci pour vos exemples, je les lirai après. Maintenant, je vais revenir sur le subjonctif. Donc, je vous ai dit, le subjonctif, c'est un mode de pensée. Il y a plusieurs modes en français. Vous avez le mode indicatif pour la réalité, le mode conditionnel, donc là, c'est plutôt l'hypothèse et l'imagination, et le mode subjonctif. Donc, le mode subjonctif, il permet d'exprimer 6 choses en français, ok? Donc, c'est important de comprendre ça. Si vous comprenez le concept du subjonctif, ce sera facile à utiliser après. Donc, le subjonctif, la première valeur, c'est l'obligation. C'est ce qu'on a vu. Il faut, ok? Il faut que tu, il faudrait que, c'est nécessaire que. Donc, l'obligation et la nécessité, vous allez toujours devoir utiliser le subjonctif après que, ok? Il faut que tu viennes, il faut que tu lises un livre, il faut que tu fasses une visite au dôme de Hildesheim. Excusez-moi pour mon accent, je ne parle pas allemand. Voilà, donc nécessité, obligation. Deuxième valeur très importante, c'est le jugement. Okay? Le jugement, c'est subjectif. Par exemple, c'est super que tu apprennes le subjonctif. C'est dommage qu'il pleuve. C'est super que tu sois là. Ça, c'est des jugements dont vous allez utiliser le mode subjonctif pour exprimer le jugement. La troisième valeur importante, c'est les sentiments. Donc, tout le monde a des sentiments, oui. On a tous des sentiments. Donc, vous ne pouvez pas exprimer vos sentiments en français si vous ne connaissez pas le subjonctif. Donc, il faut que vous l'appreniez, ok? Donc, les sentiments, voilà, je suis contente que vous soyez là. Je suis déçue que tu ne sois pas venue. Donc, les sentiments, c'est aussi exprimé par le subjonctif. Ensuite, vous avez la volonté. J'aimerais que tu viennes. Je voudrais que tu fasses tes devoirs. La volonté, c'est aussi le subjonctif. Ensuite, vous avez la possibilité. C'est possible que je t'appelle ce soir. C'est possible qu'il soit amoureux de toi, par exemple, l'amour à la française, ok? Donc, la possibilité, c'est également le subjonctif. Et puis, la dernière utilisation, c'est le doute. Et c'est très, très, très important. Si vous n'utilisez pas le subjonctif, ça veut dire que vous êtes tout le temps sûr de vous. Et ce n'est pas possible dans la vie. On a des doutes en général. Donc, par exemple, on va dire « je ne suis pas sûre que tu aies raison » ou « je ne pense pas qu'il faille faire ça ». C'est important parce que ça vous permet de nuancer ce que vous dites. Donc, voilà. Donc, pour résumer, je vois que Dagmar écrit « obligation, émotion, possibilité, doute ». Très bien. Et donc, Dagmar, tu peux rajouter le jugement. Donc, c'est génial que, c'est dommage que. Et puis, tu peux rajouter la nécessité. Et qu'est-ce que tu as oublié? Émotion, possibilité, doute et la volonté. Voilà, merci. Parfait. Dagmar, tu es une super assistante. Merci beaucoup. Alors, je vais vous repartager mon écran pour que je vous montre. Alors, c'est parti. C'est parti là. Est-ce que... Ah, hop, pardon. Il faut que je... Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran ici? Alors, je ne vois pas, ouais, alors attendez-vous, je ne trouve plus le chat. Le chat, où est-il? Attendez. Oui, ok, je le repartage, pardon. Donc, le chat, je me remets là-dessus. Ok, donc ça, c'est un petit résumé de ce que je vous ai dit.
Donc, les valeurs du subjonctif, la volonté, le doute, la possibilité, les sentiments, le jugement, l'obligation. Donc, en fait, il faut pas vous stresser. Le subjonctif, bien sûr, il faut apprendre la structure, mais ça, c'est de la conjugaison. Donc, c'est comme des mathématiques. En fait, vous devez apprendre la formule, vous devez apprendre la construction, apprendre la conjugaison. Mais ce qui est important pour moi, c'est qu'aujourd'hui, vous compreniez à quoi ça sert, quelle est l'utilité. Et l'utilité, ben, c'est ça, c'est ces six valeurs-là. Donc, si déjà vous avez compris ça, ben, c'est déjà très bien. OK ? Donc, je vais arrêter mon écran. Voilà, merci Sarah, c'est très bien fait. OK, merci beaucoup. Donc, voilà, ça, c'est l'idée que je voulais vous transmettre, c'était l'intérêt du subjonctif. Donc, si vous avez envie, on peut essayer de faire, de regarder en fait comment ça se construit, donc d'entrer dans le côté mathématique de la langue. Et puis, moi, à la fin du cours, je vais vous partager un lien. Vous pourrez vous inscrire et je vais vous envoyer gratuitement une vidéo qui explique le subjonctif, une vidéo de cours. Je vais vous envoyer la leçon que vous voyez ici. Je vais aussi vous envoyer des exercices, pas facile mais ça va, et la correction. Comme ça, vous avez un package subjonctif et vous pouvez essayer de l'utiliser dans votre vie. C'est un peu le challenge subjonctif. OK ? Est-ce que vous avez compris ? C'est clair ? Ça va ? Ouais ? OK. Alors, du coup, on va passer à... Super. On va passer à la construction. Donc déjà, quelque chose qui va vous rassurer, c'est que le subjonctif, c'est basé sur le présent. Donc, tout le monde connaît le présent quand vous apprenez une langue, en tout cas le français. Le premier temps que vous apprenez, c'est le présent. Donc, pour construire le subjonctif, vous avez besoin du présent. Donc, pas de stress. C'est pas si difficile que ça. Donc, je vais partager mon écran à nouveau et je vais vous montrer la construction. OK ? Alors, je me remets sur mon écran. Alors, du coup, je sors de là. Voilà, le subjonctif présent. Voilà. Donc, le subjonctif présent, il se forme à partir du radical de « il » et « elle » du présent de l'indicatif. OK ? Donc, par exemple, au présent, le verbe « parler », c'est « je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle ». Donc, je prends « il parle » ou « elle parle », je prends le radical et j'ajoute les terminaisons, toujours les mêmes, « e », « es », « e », « ent » pour ces personnes-là. D'accord ? Donc, vous allez dire « il faut que je parle », « il faut que tu parles », « il faut qu'il parle », « il faut qu'elle parle ». Pour le « nous » et le « vous », pour construire le « nous » et le « vous » au subjonctif, vous vous basez sur le « nous » au présent de l'indicatif et vous ajoutez « ions », y est. Donc, que nous parlions, que vous parliez. Ça, c'est la règle de base. Donc, vraiment, ce qui est important, c'est de connaître la conjugaison du présent et vous devez connaître finalement les trois dernières personnes. Nous, vous et il et elle au pluriel. Donc, vous n'avez même pas besoin de connaître tout le présent. D'accord ? Donc, ça, c'est la construction. Ensuite, ici, vous avez quelques exemples. Donc, cette leçon, je vais vous la donner parce que je ne peux pas vous expliquer tout le subjonctif en 5 minutes. Mais je vous montre, je vais vous la donner après. Donc, vous avez quelques exemples. Évidemment, il y a des exceptions. Évidemment, il y a des difficultés. Mais vous pourrez regarder tranquillement à la maison, chez vous, toutes ces particularités. Et ici, on vous donne ensuite les principaux verbes irréguliers au subjonctif. Donc, il faut les apprendre, c'est comme les maths, c'est du calcul mental, la conjugaison, c'est la même chose. OK ? Donc, voilà pour moi. Donc, moi, après, pour le subjonctif, vraiment, tous nos étudiants arrivent avec une appréhension en se disant que le subjonctif, c'est nul, que ça craint, que c'est pas utile. Mais vraiment, je vous assure, profondément, c'est vraiment très très utile et vous pouvez enrichir votre langue et devenir plus précis, plus intéressant avec le subjonctif. Donc oui, Sarah, je vais partager toutes les leçons avec vous.
Donc, comme je vous ai dit, je vais le faire maintenant. Je vais vous partager maintenant le lien ici. Ah, alors là, c'est magique. On me dit « j'aime le subjonctif maintenant ». Eh bien, c'est super, c'est l'objectif. Donc, ici, dans le chat à droite, je vous envoie un lien. Regardez bien ce lien. Ce lien, vous cliquez dessus. Vous entrez votre prénom, votre nom et votre adresse email. Et je vais vous envoyer le package subjonctif. Donc, c'est un cadeau, hein, c'est pour vous, pour que vous puissiez parler avec le subjonctif. Donc, vous allez recevoir la vidéo de cours. Donc, j'explique, moi, j'explique le subjonctif, mais de manière structurée, avec des titres, des phrases, des choses pour vous aider à comprendre. Je vous donne la leçon avec les valeurs du subjonctif et les exemples. Je vous donne la leçon avec la construction des verbes, donc les maths, les mathématiques. Et je vous donne aussi beaucoup d'exercices et la correction. Donc, l'objectif, c'est d'essayer d'appliquer la règle de construction et de mémoriser les phrases introductives. Si vous mémorisez « je suis triste que »,« c'est dommage que »,« il faut que »,« j'aimerais que », après, subjonctif. Et vous n'avez même pas à réfléchir plus que ça. Donc voilà, donc ça c'est ce que nous on vous propose à LSF Montpellier. Ensuite, on vous propose aussi une promotion. Si vous venez à l'école en présentiel, on vous offre les frais d'inscription. Donc vous aurez aussi le lien sur la page de ExpoLingua. C'est une promotion qui est spécialement pour vous. Et le package subjonctif, c'est également pour vous. Voilà, donc je voulais partager le subjonctif avec vous. Le subjonctif, c'est ma passion, j'adore ça. Et mon objectif, c'est que les étudiants l'utilisent. Donc, j'ai peut-être encore une minute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en bas. Et pensez surtout à vous inscrire sur le lien, à rentrer vos informations. Tout est gratuit, c'est le partage de la langue française. Voilà, donc pour moi, c'est bon. Est-ce que vous avez des questions? C'est clair? Ça va pour vous? Ok, c'est bon. So, Sébastien, it's good for me, I think. So, voilà. Merci à tous. Merci beaucoup, Elisa. Moi aussi, j'aime le subjonctif maintenant. No, seriously, it was really great to finally understand something about the subjonctif. And I very much like your open and interactive style of teaching. It was really great. And also, I want to say I'm very impressed by you, the participants. I mean, you are all experts in subjonctif. Chapeau, kann ich da nur sagen. Also wirklich großartig. Ich werde gleich zum nächsten Redner überkommen. Wir sind schon knapp in der Zeit. I want to welcome now the third teacher to our stage, Arno from Lyon. Lyon, the capital of haute cuisine in France, and he will explain us les deux grands secrets du français. I am very excited. Arno, the stage is yours. Merci, Sébastien. Bonjour à tout le monde. Je vous prie de m'excuser, je ne suis pas très à l'aise en cours en vidéo, donc je vais faire un petit peu à l'ancienne avec un petit tableau. Je m'appelle Arnaud, je suis le directeur de l'école Inflexion à Lyon, et effectivement, aujourd'hui, je vous propose une petite fantaisie que j'ai intitulée ainsi. Voilà, comme quoi je préfère écrire au tableau. Voilà, et même un c'est dit. Enfin, si tout le monde me voit, c'est super. Hop, hop, je reviens avec vous en chat si jamais vous avez des questions. C'est parfait. Le premier secret. Premier grand secret du français, je vais vous l'écrire, ou je vais vous le dessiner plutôt comme si j'avais un feutre. On peut le résumer ainsi. Ouh,
Voilà. Je vous laisse un petit peu cogiter. En français, on peut dire que en français, 1 plus 1 égale 1. Je sais, ce n'est pas très logique, mais je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, si j'écris mon prénom, vous voyez, on va prononcer Arnaud. C'est-à-dire que A plus U plus D égale le son O. Donc ici, nous avons un exemple de 1 plus 1 plus 1 égale 1. En général, dans toutes les langues, nous prononçons toutes les lettres. Je prends un exemple. Si j'étais anglophone, j'appellerais ce prénom Vincent. C'est-à-dire que je vais vraiment essayer de prononcer toutes les lettres. Mais si je parle français, je vous laisse quelques secondes pour répéter ce prénom en français et vous verrez tout de suite, je vais prononcer Vincent. Et donc, on va fusionner des lettres. Le T à la fin disparaît et le N change le son de E. Le E devient en ici. Il y a donc une conséquence logique immédiate qui est très, très, très importante quand vous apprenez le français et il faut le savoir le plus vite possible. Vous avez compris, nous avons dit 1 plus 1 égale 1, donc le français. Oh, décidément, le français n'est pas. Et ça, il faut l'accepter et le comprendre très très vite. Peut-être vous connaissez un personnage célèbre en France qui s'appelle Napoléon. Eh bien, Napoléon, il a dit un jour, impossible n'est pas. C'est une petite phrase que tout le monde connaît bien. Tout à fait, Dagmar Hélène, tout à fait. On va revenir là-dessus parce que, en fait, c'est un petit cours de phonétique. Nous avons 15 minutes ensemble, donc je me suis dit, la phonétique, on peut commencer sans s'arrêter, c'est parfait. Impossible n'est pas français. Qu'est-ce que ça veut dire, vraiment, si on y réfléchit? Eh bien, quelque part, ça veut dire que en français, possible. C'est ça la grande difficulté du français. Parce qu'il y aura toujours des surprises, toujours des exceptions. Et que nous ne pouvons pas dire, nous, professeurs de français, nous ne pouvons pas dire telle règle, c'est toujours comme ça. Non, c'est impossible. Il y aura toujours une exception. C'est un métier vraiment, vraiment difficile. Donc, tous les professeurs de français disent en général, c'est comme ça, mais seulement en général. De même,
il y a une question qu'il ne faut jamais poser en cours de français. C'est la question. Pourquoi ? Eh bien, parce que. Et ça, ça sera le deuxième grand secret du français, mais je vais passer un peu de temps avec vous sur la phonétique. Vous avez compris, la langue française en phonétique, eh bien, fait des associations. Par exemple, A plus I, ça donne le son E, etc., etc. On va essayer de comprendre quelques petites règles qui fonctionneront toujours pour vous, pour savoir quand même comment est-ce qu'on peut prononcer. La première chose, c'est de dire que la voyelle est toujours plus importante que la consonne. Par exemple, regardez bien, si j'écris petit, tout petit, petit, petit. Vous voyez, on n'entend pas le son T, le dernier. Pourquoi on ne l'entend pas? Parce qu'il n'y a pas de voyelle pour le prononcer. Donc si je veux entendre la lettre T, eh bien, je vais rajouter un E. Petite T. C'est la voyelle qui fait exister le son, la consonne en français. Par exemple, si je passe au pluriel, petit, et là il y a deux lettres que l'on n'entend absolument pas. Moi, je trouve ça magique. C'est vraiment ce mystère de la langue française qui dit que moi, le français, ce n'est pas fait pour être efficace. Ce n'est pas fait pour être facile. Je dirais même que le but de la langue française, ce n'est pas de communiquer. C'est pour ça que nous avons l'ironie que nous adorons tellement en français. Le but de la langue française, ce n'est pas de communiquer, c'est de faire joli. Mais ça, on reviendra là-dessus. Car si la langue française n'est pas logique, en revanche, elle est jolie. Continuons sur nos petites règles de phonétique. Ça se prononce 1. Je vais essayer de le dessiner car je suis plus à l'aise avec un feutre, mais un feutre sur écran. Donc, oula. Voilà. 1. Superbe. Bon, vous comprenez que le N change le son du U parce qu'il n'y a pas de voyelle derrière. Mais si jamais je rajoute un E, une, et bien à ce moment-là, la voyelle attrape le N et donc je vais bien séparer les lettres et dire une de l'autre côté. De même, en français, nous avons une lettre magnifique. Je vais l'écrire comme ça cette fois-ci. C'est le E. Le E est pour moi une lettre magique. Magique parce que à la fois, elle ne sert à rien, elle disparaît tout le temps. Par exemple, si j'écris, je ne sais pas moi, si j'écris elle, vous comprenez que le deuxième E, en fait, ne s'entend pas. Ce qu'on entend, grâce au E, qui se sacrifie, c'est le L de la fin. Par contre, vous remarquez qu'il y a deux fois écrit E, de la même façon. Et même s'il y a deux fois écrit E, eh bien ces deux E
qui sont écrits pareil, sans accent, ne se prononcent pas pareil. C'est vraiment, pour moi, une des beautés de la langue française, la variété de prononciation de la lettre E. C'est pour ça qu'elle est à la fois inutile et à la fois complètement infinie. Oui, c'est pas sauf dans les chansons, Eva, c'est que je pense que justement, dans les chansons et dans la poésie, rappelez-vous, en français, liberté, égalité, fraternité. Mais le premier, c'est liberté. Et la chanson, la poésie, eh bien, effectivement, c'est un espace de liberté. Et donc, je pourrais prononcer encore. Alors que normalement, ça se prononce encore. Ah, encore. Le E a encore changé de sonorité. Et donc, le E, parfois c'est E, parfois c'est E. Et je peux dire les amis. Et vous voyez, j'ai ES ici et ES ici. Mais là encore, deux sons complètement différents. Ça s'écrit de la même façon, il n'y a pas d'accent. Les amis. D'ailleurs, les accents, en fait, ça ne sert que pour eux. Il n'y a que eux qui changent de son grâce à un accent. Sinon, on écrit comme ça, ou, pour faire la différence d'utilisation entre les deux. Mais pas pour accentuer. Enfin, pour terminer sur les accents, je voudrais vous parler très rapidement, car il me reste une petite minute, de deux accents. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'accent circonflexe, qui en fait n'est pas tout à fait un accent, qui est une transformation de l'orthographe française. Je viens d'écrire mon nom de famille. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas prononçable. Mais il se prononce du N. Pardon. En fait, avant, les voyelles S étaient légèrement accentuées ou allongées. C'est une époque, d'ailleurs, où, à la cour d'Angleterre, on parlait français. C'est pour ça que beaucoup de mots sont d'origine française dans le vocabulaire anglais, mais nous l'avons oublié. Le mieux pour moi, c'est par exemple faire la fête et en même temps aller au festival de Cannes. Et vous voyez bien, festival, fête. À la vérité, on devait prononcer festival, mais on a oublié. Donc, l'accent circonflexe n'est pas un accent. C'est incroyable mais vrai, la volonté de la France de simplifier sa langue. Je ne suis pas sûr que ça marche. Et pour finir, nous allons juste vous montrer ce qu'on appelle le tréma, par exemple, dans le prénom Raphaël. Eh bien, si j'écris comme ça, je dois prononcer Raphaël ou Rafale. Le fait d'écrire le petit tréma, je prononce Raphaël. Car le tréma veut dire ici, exceptionnellement, 1 plus 1 égale 2. Rafa et plus loin, elle. Et vous le retrouvez dans nos Noël. Et voilà, je vous remercie. Je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de vous dire le deuxième grand secret du français, mais je vous donne un indice. Nanana, 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 nanana.
et j'espère que nous nous retrouverons pour en parler. Et je vous confirme que, bien sûr, Sébastien et Katharina sont au courant. Grâce à cette exposition, tous les participants auront des promotions pour nos cours. Mais plus que la promotion, ceux qui viendront connaîtront le deuxième secret du français. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Thank you, Andrew. I'm trying to invite Sebastian. He's here. And thank you for, I think you have just shared a very original method of learning French. And yeah, the audience is also very grateful. And we want to thank all teachers who participated at today's lesson. Thank you, Malika, Elisa, and Arnaud once again. And we are happy to have welcomed all the listeners of today's lesson. Sebastian, I think you wanted to say a couple of words too. Exactly. I mean, ich will mich auch erstmal wirklich nur bedanken. Es war super interessant, also sowohl Aussprache, sowohl Grammatik, Subjunktiv, sowohl ein lustiges Kahoot-Spiel, war eine sehr runde Stunde. Wirklich vielen Dank für diese inspirierende Session. Und ich will natürlich allen Französisch Lernenden weiterhin viel Erfolg und viel Spaß wünschen. Und I hope we all can see together in France soon and can travel and really visit the country again. Und vielleicht will ich noch ganz am Ende was sagen zu unserer neuen Website. I want just to mention our new website, Expolingua 365. You should see it actually right now, exactly. And at this page, we have collected some hot deals and special offers in the field of language learning for you. Das ist eine neue Seite, wo wir sozusagen alle neuen Angebote und irgendwie hot deals im Sprachensektor für euch sammeln. And you will also find the offers of our speakers here. Maybe you saw it already. And it's really worth to look there from time to time. Es macht wirklich Sinn, da immer wieder mal reinzuschauen. Wir aktualisieren das täglich fast und sind mit allen Leuten, die da sozusagen ihre Angebote haben, auch wirklich in Kontakt und bürgen auch für Seriosität und Qualität der Angebote. Das am Ende nur. Ansonsten wünsche ich euch alle einen schönen Abend. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und ich überlasse das Schlusswort noch Katja. Okay, so we noticed in previous editions for other languages that participants had questions to teachers and wanted to communicate between or with each other. So we will leave now, the speakers will leave now. I mean, we will switch off the cameras and the microphones, but we will leave the chat open for the next 5, 10 or maximum 15 minutes so that you can ask the last questions maybe to each other or to the teachers. And you will receive the recording of today's session in the next email. So we wish you all a great evening. Thank you for being here and see you. Bye-bye.